Salut, c'est encore Francis Conan et bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez. Dans cette vidéo, je vais faire un commentaire de toutes ces statistiques ou de toutes ces statistiques. Voilà, donc il y a quelque chose qui est vraiment apparent et qui est vraiment significatif pour ces statistiques. D'abord, nous voyons que au niveau des vues, il y a une totale dominance de Manassé Sinda. Voilà, c'est le seul candidat à dépasser pratiquement la barre des 25 000 et à se tendre vers les 30 000 vues. Et aussi au niveau des vues, il est le premier. Et voilà, donc tout juste après lui. Je crois que je vais m'effacer parce que ma personne n'est pas tellement importante dans ces statistiques. Donc, je m'efface et je vais faire seulement l'audio. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme vous le voyez, Manassé Sinda, il est à près de 29 000 vues et c'est celui-là qui est en tête dans le groupe de Maïgodé. Et après lui vient Vanessa Bizet, qui est vraiment pour moi, pas une surprise, mais c'est vraiment une candidate qui est vraiment très, très plaisante, qui chante bien et qui a beaucoup de fans. Donc, beaucoup de gens l'ont déjà plébiscité. Donc, Vanessa Bizet, comme vous le voyez ici, ça c'est Vanessa Bizet qui est là. Donc, elle est largement au-dessus. Mais pas largement, mais légèrement au-dessus des 25 000 vues. Et au niveau des likes aussi, c'est la deuxième après Soukaina. Et l'une des surprises de ces statistiques de ce groupe-là, c'est plutôt Mika Gospel. Vous voyez Mika Gospel? Elle a pratiquement atteint la barre des 25 000. Non, elle a pratiquement atteint la barre des 20 000 views. Et au niveau des likes, elle aussi, elle est en très bonne position. Et les likes sont les barres en orange. Voilà, donc, dans le groupe de Maïgodé, ceux qui dominent à la tête, les trois candidats à la tête sont Manassé Sinda, Vanessa Bizet en matière de vues, et aussi en matière de likes, il y a Mika Gospel. Le reste, comme vous le voyez bien, il y a pratiquement deux personnes qui sont entre les 15 000 et les 20 000 views. Et ces deux personnes sont Décris Bongo, qui est au-delà de 20 000 views, et Lise Dibanza, qui est entre 15 000 et 20 000 views. Et aussi, la quatrième ou la troisième personne sera Alix Bimbolé. Ça, c'est vraiment une bonne performance. Et Alain Paluka. Donc, voilà, c'est tout cela. Si vous voyez toute cette ligne-là, donc tous ceux qui sont au-dessus de cette ligne, après Manassé, Vanessa Bizet et puis Mika, ce sont les candidats qui sont entre la barre des 15 000 et des 20 000 views. Donc, c'est Décris Bongo qui est pratiquement le quatrième. Oh, je m'excuse. Décris Bongo vient même tout juste après Vanessa Bizet. Donc, Vanessa Bizet, Décris Bongo, et puis en tête, on a le grand Soukaina. Donc, voilà, ce sont les trois personnes qui sont là, qui sont en tête. Et maintenant, après eux, viennent ceux des candidats qui sont entre la barre des 15 000 et des 20 000 vues. Donc, il y a Alain Paluka, il y a Alex Bimboli, il y a Liv Dibanza, il y a en saute, et il y a Mika Gospel. Voilà, donc Mika Gospel vient en quatrième position. Et voilà, donc le reste des candidats maintenant, ceux qui sont entre 10 000 et 15 000, voilà, ils sont assez nombreux.
Il y a Thérèse Guisagui. Il y a Christian Mukuna. Il y a Noami Kianonga. Et il y a Olga Assoumani, qui est pour moi une surprise, compte tenu de sa technique vocale qui est tellement parfaite, mais elle est en dessous de 15 000 et entre les 10 000 et les 15 000 vues. Maintenant, le groupe Peloton du Lot se retrouve pratiquement entre les 5 000 et les 10 000 vues. Donc, c'était encore Francis Conan. Et dans ce lot, vous voyez Christian Lassa et Noé Mayombo, Olivier Balola et Vinny Kaka. Donc, ce sont les candidats qui n'ont pas vraiment trop de visibilité, et ça se voit et ça se remarque déjà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était Francis Conan dans les stats de Conan. Au revoir.